Dis-moi, juste on va où? Et après j'avance. Après j'avance. Non mais c'est bon, tu veux pas? Tu veux pas? Attends, juste te dis un truc alors. Juste te dis un truc. Dis un truc. Juste. Elles sont belles tes lunettes quand même. Mokhtar Ben Mokhtar. What do you want about her? When like explain about her when in the kitchen and si je parle pas anglais moi déjà j'ai fait élever un allemand hein et puis j'ai ramené une cassette ça va m'aider c'est un mec qui explique l'anglais. Je peux très bien parler français aussi, hein, c'est... Ah bah voilà, bah explique-moi, qu'est-ce que je fous là, alors? Bah, le formulaire de l'ESTA, vous avez répondu de manière très suspecte, hein, quand même. Hein. Question numéro 1. Avez-vous déjà été arrêté pour un délit de crime? Vous avez répondu oui. Oui aussi, à l'implication dans des activités d'espionnage entre 33 et 45, au nom de l'Allemagne nazie. Ah oui, je m'en souviens. Vous avez répondu oui aussi, au fait d'avoir déjà été expulsé des États-Unis d'Amérique. Et vous avez répondu oui, pour avoir retenu de force un enfant dont la garde était confié à un Américain. C'était une blague, ça faut pas me le prendre au premier degré, c'était pour rigoler. Pour rigoler. Lorsque l'on est arabe et que l'on se prénomme Mokhtar, Ben Mokhtar, on ne plaisante pas avec les États-Unis d'Amérique. Et lui là, lui là, il est pas arabe lui? Lui non. Mais Ricardo. New York, c'est de la folie! J'ai enfin passé l'épreuve de la douane! Une galère toutes ces questions! Je me sens coupable moi après! Regarde ma gueule, je suis jetlagué. Ah Jonathan, c'est marrant parce que t'as des petites Asiates dans les coins de la rue qui te vendent des parapluies mais comme du shit. You know umbrella? No, I don't need umbrella. Faites gaffe avec les rappeurs à Times Square. T'as des petits rappeurs comme ça dans les coins de la rue qui te vendent des CD. Mais des CD pas taffés du tout, enfin taffés la jaquette les gars. On dirait des CD vierges. Oh, listen to my brand new. Hey, look at this. My new album. Hip hop is dead. Quand tu marches dans les rues de New York, tu t'attends toujours à ce qu'il y ait un putain d'événement un peu comme dans les films, tu vois. Alors que c'est bon, enfin y'a rien. Petite vidéo très rapide, je voulais en profiter comme je suis à New York. Plein d'images insolites, plein de trucs marrants à vous montrer, en images. Une salade César sans poulet. Ajoutez 6$ pour avoir le poulet. Du fromage en spread. Du burger en conserve. Du jambon en conserve. Les boissons au Burger King américain. Le médium. Et le large. Un DJ au McDonald's. Cet homme en violet se fait appeler le King of New York. Dans le métro new-yorkais, l'entrée et la sortie se trouvent sur le même tourniquet. À vous d'être le plus rapide! Ça par contre, je sais pas encore à quoi ça sert. Mais si vous avez une idée, dites-le moi dans les commentaires. Achetez vos cigarettes à la pharmacie. Par contre, c'est 13$ le paquet. Retrouvez votre Starbucks à tous les coins de rue! Si par malheur, vous ne pouvez pas laisser de pourboire, fuyez! Welcome to my taxi. You have on your right Manhattan? Excusez-moi, mais je parle pas très bien anglais, du coup. Me, I love tourists. You have generous with me. You have tips and money in your pocket. Par contre, excusez-moi, mais j'ai pas de monnaie pour les tips, comme vous dites. Quoi? Tu n'as pas de monnaie? Fucking tourist! My valise! Voilà pour les images insolites. Je vous quitte avec des beaux plans de la ville. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et mettez des commentaires. Ciao!
What do you want about her? Wait, explain about her. Why I need the kitchen and